Avant de commencer la vidéo, les gars, vous avez moins 5% sur le shop Maxi Scoot pour toutes vos pièces moto et scooter avec mon code Jean5. Merci à tous ceux qui utilisent mon code. Les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, les gars, ça va nickel comme toujours. J'ai ici devant moi mon nouveau stunt. Alors, oui, pour ceux qui savent, les gars, j'ai vendu mon stunt. Mais j'en ai acheté un nouveau. Pourquoi j'en ai acheté un nouveau? Il y en a qui comprennent pas, les gars. Parce qu'en vrai, bah, simplement, ça me manquait de le faire en scoot. Donc, j'ai racheté un petit stunt. Je vous le montre de suite, les gars. Vous voyez, comme vous pouvez voir, les gars, c'est un stunt phase 1. Donc, en fait, phase 1, c'est quoi? C'est les anciens. Phase 1, c'est ceux avec le phare carré. Et les phases 2, ceux avec les deux petites loupiottes. Vous voyez? Donc, celui-là, les gars, stunt phase 1 de 2002. Comme vous pouvez voir. Bon, la plaque, on s'en tape. Vous voyez, les gars, c'est avec les anciens compteurs, etc. Comme ça. Je sais pas si vous allez aimer. Moi, franchement, les gars, j'aime bien. C'est sûr que vous allez vous dire, bizarre, il n'y a pas de kit déco d'origine dessus. Les gars, sur cette édition-là, le seul kit déco qu'il y a, c'est celui-ci, où c'est écrit stunt. Sinon, les gars, il n'y a clairement pas de kit déco dessus à part celui-là, d'origine. Alors, du coup, j'ai acheté ce stunt-là, les gars, à un pote à moi, que je connais déjà, du coup. Alors, comme frais à faire, les gars, il y a quoi? Remettre 2-3 petites vis, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai le coffre. Ouais, le coffre qui est cassé là au niveau de là, c'est quand tu te retournes ça. Donc moi ça m'était arrivé sur mon stunt, je l'avais changé. Alors il n'y avait pas de support de plaque. Moi j'ai remis une ancienne bavette à moi de mon ancien stunt où c'est écrit ici. J'ai remis la plaque comme ça, hein, les gars, avec des vis tranquillement. Faut que je rachète le porte-sac là qui va ici. Sinon voilà ce que j'aime bien, les gars, avec ces anciens stunts là, c'est comme vous pouvez voir, il y a ce bouton là. Ce bouton là il sert à quoi? À éteindre tous les feux, en fait, à éteindre tous les feux, etc. Donc ça c'est top quand tu roules de jour ou autre, c'est le top. Sinon les gars, voilà, donc vous voyez d'origine, sur cela c'est des jantes 10 pouces, comme les boosters à l'ancienne, enfin comme les boosters 10 pouces simplement. Sinon les gars, c'est les mêmes stunts en fait, sauf la face avant qui change, la face avant, les culottes du coup, parce que c'est les plus anciens, le compteur. Sinon, au niveau de l'arrière, les gars, tout est pareil. Tout est pareil niveau du châssis, sauf les jantes 10 pouces. Tout est pareil, les gars, sinon je vous le démarrer. Vous voyez le démarrer électrique, les gars. Il n'y a plus de batterie dans le scooter, faut que j'en mette une. On va cliquer un coup. Et le dernier tour, les gars, d'origine, comme ça. Et ce qui est bien, les gars, avec ces stunts-là, c'est que c'est les anciens. C'est-à-dire, c'est un 2002. C'est un 2002, et si vous voulez, ceux-là, ils marchent vraiment mieux que les nouveaux, que celui que j'avais avant. Celui-là d'origine, les gars, il marche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Beaucoup plus de pêche en roue, et bah, il roule plus vite, quoi. Franchement, celui-là, les gars, je vais laisser d'origine. Je pense, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez, lui mettre un petit kit déco, mais qui se rapproche de l'origine, un kit déco qui se rapproche de l'origine, les gars. Je vais pas mettre un kit déco à rail ou Lacoste ou autre, oui. Mais un kit déco qui vraiment se rapproche de l'origine. Je vais aussi repeindre l'amortisseur bien, dans sa couleur d'origine, vous voyez. Sinon, voilà les gars, en général, il est en bon état. Faut pas oublier que c'est un stunt de 2002, les gars. Stunt de 2002. Pour un 2002, il est en bon état. Alors, je sais pas combien de temps je vais garder celui-là. Moi, je préfère garder une semaine. J'ai acheté hier. Je préfère garder une semaine quand je vais garder 3 mois. Je ne sais pas. Ça dépend. Quand ça me saoulera, je le revendrai. En tous les cas. Et puis, franchement, voilà les gars, dites-moi si vous voulez une petite vidéo avec GoPro où je lève, etc. Deuxième truc. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, les gars. J'ai TikTok et Insta, c'est Jean-du-bas-VLRB. Mon Snap où je fais des stories tous les jours, les gars, Jean-du-bas-VLF. Sur Snap, je mets des stories tous les jours. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié, je viens de voir. Faut que je remette un petit bouchon pour la fourche là. Mais ça, j'en ai chez moi, de mon ancien stunt. Et ouais, les gars. Sur ce, les gars, moi, fin de vidéo, je vous laisse. Bonne journée à tous. Puis bisous.